Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti. On va remettre l'armure parce qu'on est dehors. Et des choses à vous montrer. Regardez, j'ai des meumeux. J'ai des meumeux. Alors je les ai enfermés là, c'est provisoire. Aujourd'hui, on va se faire un enclos à vaches, mais pas un enclos ordinaire, un enclos de survivants. Je vois le soleil qui se couche là-bas, on va dormir. Et on va aussi faire un petit truc d'abord avant de faire l'enclos à vaches, auquel j'ai pensé juste avant Drake. Attendez, je vais faire dodo. Pour que pendant la nuit, gna gna gna, pour 2 secondes. On prendra du matos dans le coffre, excusez-moi. On va prendre ça. On va prendre ça, même si on l'utilise pas tellement. Et on va prendre de ça, on verra bien. J'ai pensé un truc. C'est en passant ici, en disant, bah tiens, je vais aller faire mon épisode, en passant ici. J'ai pensé, comme c'est un décor post-apocalyptique, et quoi. Waouh! Oui, il faut pas y marcher dessus, je sais. Et quoi de plus apocalyptique que le Nether, n'est-ce pas? Putain, je parle bien. Vous avez vu ça un petit peu? Que le Nether. Il y avait un pchit. On peut mettre un petit peu. Hop, de trucs comme ça, comme s'il était un petit peu ressorti, le Nether. Oh, en plus, ça fait des pchits de temps en temps. Et ça fait pas mal, et ça fait des pchits de temps en temps. Regardez ça. C'est quand je pose, non? À côté, peut-être. Je dois. Wow, ça fait des petits pchits de temps en temps. Et c'est nickel. Hop, et on pourrait mettre aussi, pourquoi pas, pour éclairer un petit peu aussi. Pourquoi pas, des trucs qui ressortent. Ça ferait un espèce de lac chelou. Ici, peut-être pas. Je ferais peut-être ressortir le beacon ici. Mais je vais quand même poser ça. Ouais. Beacon, bien sûr, une fois que je l'aurai, hein, une fois que j'aurai vaincu. Hein. Voilà, je pensais un petit peu à ça. Hop. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas tout l'épisode, on va faire. Hein. Voilà, en plus ça fait des pch, 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 ça fait. Moi j'aime bien. Hop là, comme ça, un petit peu comme ça. En plus, vous voyez, il y a le WWE. Non, ouais, ça peut être assez sympa. Un petit peu de Nether qui est ressorti grâce à ou à cause de l'apocalypse. N'est-ce pas? Ça peut être assez sympa. En plus, des petits pchit 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 de temps en temps. Les enfants, ne buvez pas cette eau. Et en plus, je vais les reposer pour pas les prendre parce qu'on va faire l'enclos à vache. Mais, en plus, on pourrait poser. Tac, tac, ça, c'était là-dedans. Oui, c'est un petit peu bordélique, mais c'est un petit peu organisé quand même. Hop, d'où? Donc cette eau-là, je pense qu'elle va rester, mais on verra par la suite. Mais ce lac-là, je compte le garder. Attends, mon ami. Attends, attends, attends. Barmes égales, hein? Bon, il m'a quand même touché 2 fois. Tac, vous voyez, petit nénuphar. Voilà. Et oui, on en remettra un petit peu par là et tout. Vous voyez, enfin,
Pas trop en abuser quand même, pour pas trop que ça fasse. Bon là, ça fait un petit, peut-être un petit peu carré, un petit peu patchwork, je dois bien l'avouer. Hop, attendez, attendez. Alors attendez pour non, on va le garder. Hop là. On pourra faire. Voilà, que là il y a un bout de terre. Hey, ça fait pas mal quand même, moi je dis. Ouais, un bout de terre, ouais. Hop. Je vais voir un petit peu. Là, ça va pas le faire. En tout cas, voilà. C'est une petite idée, voilà, que j'ai eue, hein. Quand on le regarde, il n'ose pas regarder. Ah. En tout cas, voilà. C'est une petite idée que j'ai eue, comme ça. Dites-moi pas que le soleil se couche déjà. Enfin, je trouvais qu'il faisait un peu sombre. Enfin, basta. On va construire un enclos à vaches. Mais. Un enclos à vaches, comment dire? Avec des objets de récupération. Voilà. J'ai récupérer du bois de chêne noir que je vais transformer d'ailleurs, au moins ces planches-là. Je les transformerai peut-être pas en portes parce que les portes de chêne noir font très riches. Hop. Donc on prendra surtout les barrières. Non. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Voilà, d'avoir des barrières de chêne noir. Et on va faire, ben on va faire ce que l'on peut. Et je vous montrerai, c'est surtout un truc, enfin, vous, que vous connaîtrez peut-être déjà. On va les mettre à côté des lapins. On va les mettre à côté des lapins, près de la maison, tout simplement. Un petit peu, donc pas contre la maison, un petit peu éloigné quand même. Vous voyez, un petit peu pour ceux qui ont joué au New Vegas, comme à Novak, le fermier qui nous donne une quête où il faut tuer un super mutant, un nightmare. Hop là, vous savez, les super mutants qui peuvent se rendre invisibles. Donc c'est un petit peu dans l'idée. Allez voir.
commencer par là. Hop. Tac. On peut mettre. Est-ce que ça se collerait? Ah putain, ça se colle pas. Ça se colle pas, ça se colle pas, ça se colle pas. C'est pas bien grave. C'est ce que je voulais essayer, hein. Mais ça se colle pas. Donc on fera autrement, vous inquiétez pas. Hop. Ça. On peut mettre par des oui, par derrière. Alors attendez. Tac, est-ce que j'ai de la terre? J'ai de la terre. Est-ce que j'ai de la terre stérile? J'en ai. Je sais que j'en ai puisque j'ai renjouillé un peu mes coffres. Et je dis bien renjouillé. Bah ouais. On est dans la safe house, donc on n'a pas encore notre chimie. Il faudrait que je m'attelle à le faire d'ailleurs, notre chimie. Hop. Donc, chez moi, il est 17h50. Hop. Allez, à 18h20, grand max, l'épisode doit être fini. On se dit. Ah. Ouais, il faut que je me fixe un petit objectif comme ça. Hop. Donc, une petite porte mise là, et pour qu'elle ait l'effet enterré, et pour qu'il y ait l'effet aussi. Hein, je ne sais pas si ça prendrait bien contre la porte ici. Non. Il faut d'abord poser le bloc, non? Il me semble. Attendez. Hop. Donc un bloc ici, mais avec une porte ici. Vous voyez? Voilà, avec un petit effet. Voilà. Et qu'on puisse pas monter derrière, il faut mettre en deux, tout simplement. Problème, si je mets là, on pourra passer, vous voyez. Pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, on pourra passer. Attendez. Hop. Mais j'ai ma petite idée. Attendez, attendez. Wow. Oh putain, démonstre pas comme ça. On va en profiter, hein. C'est juste le zombie qui nous. Faudra faire gaffe par contre qu'il n'y ait pas de creeper. Faudra faire gaffe qu'il n'y ait pas de creeper. Là-bas, il y en a. Par ici, non. C'est un rosier. On va d'abord s'occuper de lui, merci, saloperie. Il est tombé dans un trou, creep. Creep, creep. Ah, il m'a touché. Eux, ils ne monteront pas. Mais les zombies du désert, eux, ne meurent pas pendant la nuit.
Enfin, pendant la nuit. Pendant la journée, il ne meurt pas. Et il vous file Hunger pendant un laps de temps. Parfait. On va répondre à Cacao quand même. Tac. Donc, on va continuer notre petite et maison. Enfin, maison. Ici, pour éviter que ça monte, bien sûr. Alors, vous me direz, vous, comment vous auriez fait ou pas fait? Tac, oula, je me rapproche pas mal. Alors, attendez. Si on passe comme ça, on pourra casser, remarquer juste la clôture pour les faire entrer. Ça sera pas mal. Non? Qu'en pensez-vous? Voyons voir. Oui, je pensais mettre des blocs comme ça avec. Peut-être pas pour tourner. Avec des escaliers. Donc pour empêcher de monter. Donc c'est mon premier truc avec des matériaux de récup. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'essaye de faire au mieux. Attendez. Non, parce qu'il serait au bord de toute façon. Fait là, il sera au bord d'ici. Et j'ai une idée, attendez. Ah oui, je dis beaucoup attendez. Je dis beaucoup attendez. Alors j'espère que vous, bah, que vous allez bien quand même. Je ne sais pas si je vous ai demandé. Si je ne vous ai pas demandé, je m'en excuse. Je sais que je peux oublier parfois. Je peux être très distrait. Donc cette petite idée avec les matériaux de récup, nous le devons. Ma chère Mandy Chalimar, 1, 2, 3. Attendez. Il faudrait que ce soit un nombre impair, finalement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais c'est parfait. 11. D'accord. J'ai pas de vine, c'est dommage. Mais par contre, voilà comment on peut faire. Là, par contre, on peut sauter par-dessus, donc on a intérêt à en mettre deux. Vous voyez? Et on pourrait mettre également. On va aller chercher là-bas.
On va mettre du chêne noir. Donc j'avais planté deux chênes noirs hein, là-bas, tout au fond, avec mes petites pousses. Et il a pris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle plutôt, hein. Et donc, nous allons avoir un petit enclos avec des matériaux de récup. C'est pas la maison que je veux faire. Hop, c'est le petit enclos. Ah! Vache. Voilà, merci. Vous comprenez pourquoi je suis mal à l'aise dans les building games? Vous savez, dépareiller comme ça avec du matos de récup. On va le faire jusque-là, en fait. Vais te voir où ça irait. Hop, ouais, ça irait au coin. Là, on va le faire jusque-là. Avec la porte ici. Et ensuite, on pourra libérer nos amis les vaches. Donc, on peut se mettre de la terre là et dire qu'on a planté un, hop là, un escalier pour éviter que les demoiselles se cassent. Attendez. Ah oui, mais le truc sera le même. Faut que ce soit derrière la porte. Hop. Là, on peut très bien avoir deux pics. Là, avoir un bout de barrière qui était resté. Miraculeusement. Alors, si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas, les amis. Hein. N'hésitez surtout pas à me les dire. Et c'est avec plaisir que je les mettrai en pratique, bien sûr. Bien sûr, si les idées sont bonnes. Casser de ce côté-là. Non, on peut laisser ça comme ça, comme un mur qui était là, qui est à moitié cassé ou. Alors attendez parce qu'il faut. Ah non, mais on a dit qu'on allait jusque-là, justement. Ha. Donc on va mettre plutôt les briques là. Et on va aller se coucher avant. Que les mobs. Ouh. Je me demandais pourquoi je pouvais pas courir. Avant que les mobs puissent se spawner, donc hop. Pour courir et fuir les mobs, hein, évitez de manger complètement si vous êtes comme moi, que vous avez hyper faim et que vous êtes poursuivi par les mobs. Mettez-vous à l'abri avant de vous sustenter complètement. Évitez de manger à fond, surtout si vous êtes poursuivi par des creepers. Ah.
Hop. Donc voilà. Normalement, tout est OK. Voyons voir. On pourrait faire ça comme ça. Comme ça, mais comme ça, voyez? Comme ça. Faites voir, attendez. Si je le mets comme ça, est-ce qu'elle s'attache? Elle s'attache pas. Hein. Mais on peut pas passer, voyez? Donc ça, c'est toujours pas mal. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? On va continuer en barrière, tout simplement. C'est là que ça tourne. Tac. Hop, comme si par moment, il y avait eu des grands trucs de barrière. Hein. Arraché. Non, d'ailleurs, on n'est vraiment pas raccord. Alors, une, deux, là ça ferait du combien? Oh, c'est pas bien grave. Doigt, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'était pas impair. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ouais. Bon, on s'en fout de toute façon où on met. Donc ensuite, on va poursuivre par. Hop. On pourrait croire que c'est un petit peu les ruines d'une ancienne maison qui ont après été. Je sais pas si. Non, je pense qu'il m'en reste pas. Donc on va prendre de la pierre si j'ai de la pierre ici. Non. Il n'en est pas de pierre ici. Je vais aller en prendre à la maison. Ben, on va prendre un petit peu de pierre taillée pour faire un petit peu. Non. On va prendre de la diorite. Une lumière là. Hop, une porte commune. Tout simplement. Hop, voilà.
terre stérile, on va ranger un petit peu nos petits trucs. Oui. Vous allez être libéré. Et non, je ne chanterai pas la chanson. Voilà. Je ne la chanterai pas. Poser pas mal de trucs ici, je pense. Non, le bois va là. Ça, j'y tiens au bois qui va là. Les coffres sont à peu près rangés. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de têtes. Voilà. Alors, pareil que les moutons, les vaches n'ont pas besoin de brouter. Ne me demandez pas pourquoi 7. Quand j'en ai pris 8 et pas 9 pour faire mon... Alors, mettre des ballots de paille dans les coins où ça risque rien. Ou au milieu, tout simplement. Ou dans le sol. Tout simplement. Pourquoi pas où ça risque rien ou parce que là on peut monter en fait et c'est pour ça. Et j'ai pas envie que mes vaches se retrouvent alpatres, comme on dit. Terre stérile, un petit peu de terre stérile pour montrer que le monde est hostile. Parfait. Et alors attendez. Si on peut le faire. Si on peut le faire. On va faire... Hop là. Tu peux le faire. On va transformer ça comme ça. Hop. On va aussi... Oh. Non, elle gardait. Alors attendez, on va récupérer la paille.
Hop là. Et on va remettre de la terre normale là où ça va passer. Voilà. Hop, on va. Et ça se couche, le soleil se couche, on va aller dormir. Hop. Et je pense. Qu'après la journée qui vient, nous nous laisserons. Hop là. J'ai dit qu'après la journée. Il m'en faut juste une. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est l'abreuvoir à vache qui est rentré dans le sol, hein, n'est-ce pas? Faites voir. Ouais, mais j'ai pas le choix. Je suis en train de réfléchir. Si on peut. Non. Un contre, vous allez voir. On va aller en prendre là-bas. J'ai pas le choix que d'avoir un courant? Non. Non, ça va. Ça va, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, yes. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que ça tient comme un cube. Voyez ce que je veux dire? C'est un peu dérangeant. Et je pense d'ailleurs qu'on va mettre de l'autre côté. Donc attendez, on va faire comme ça, vous allez voir. Hop. Ce qui me dérange, c'est qu'on a un grand espace et que l'abreuvoir va être. Je vais plutôt vous faire. Désolé si vous avez entendu un schlouk dans le micro. C'est ma main qui a glissé. Je me tenais le menton pour réfléchir. Et ma main a malencontreusement glissé sur le micro. Je vais carrément, je vais simplement faire, vous allez voir, des abreuvoirs, enfin un chaudron, tout simplement. Si j'ai normalement j'ai une branche, bloc de fer. Car le fer. C'est nécessaire.
Comme dirait la petite Easy Maniac, le fer, c'est d'en faire. C'est dommage qu'on puisse pas faire des baignoires comme dans Crayfish Fourniture, je crois. Il y a Bibliocraft aussi qui ont fait. Mais bon. On peut pas. Mojang a dit non. Et quand Mojang a dit non, c'est non. Donc on va se contenter du bon vieux chaudron. Enfin, qui ressemble plus à un lavabo qu'un chaudron. Franchement, quand vous le regardez comme ça, je suis désolé. C'est un lavabo, c'est pas un chaudron. Hop là, voilà. Finalement, il nous restera trois. Brin de paille, on peut mettre de la terre stérile encore un petit peu ailleurs. Car les vaches n'ont pas besoin de, comme les moutons, hein, de se repaître, de paître. Tout simplement. On va libérer ces dames. Tout simplement. On a posé le tout, ouais, on peut de toute façon. Hop. Comme ceci. Voilà. On met de l'éclairage. Parce que ça, c'est la survie, les amis. T'inquiète pas, tu crèveras pas, poulette. Normalement, c'est safe. Normalement, c'est safe. Alors, je mets des torches ici. Espérant qu'il n'y ait pas d'autres mobs. Hop là, voilà. Et voilà. Et voilà, nous avons notre enclos à vaches qui a été fait avec des matériaux de récup. Merci à Mandy Chalimard pour m'avoir donné l'idée. Je te fais un bisou, Mandy. Tac et tac. Voilà. Voilà. Et c'est un peu dans l'idée, hein. Un petit peu dans l'idée. Fait avec du matos comme ça de récup, fait avec du bricolage pour pouvoir garder les vaches le plus vite possible contre ces vilains creepers. En attendant, je vais garder mon armure quand même pour vous dire au revoir parce qu'on est dehors et que j'aimerais pas me faire exploser la tronche.
serait bien. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié, yoga et à très très bientôt. Bye bye.